On a voulu cette journée accessible à tous, telle que l'on souhaite la culture. Cette journée, on l'a faite dès le départ pour qu'elle soit vraiment pour tous. Et il fallait aussi qu'on montre aux Sassenageois que le théâtre, c'était leur théâtre et qu'il fallait vraiment qu'ils l'appréhendent de manière aisée, parce que parfois on peut avoir des petites réticences hein, par rapport à ça. Et c'est vrai que le Sassenageois aujourd'hui, je pense qu'il a été heureux de cette journée-là. On a créé les activités pour qu'elles puissent justement être faciles à et participative, hein, parce qu'effectivement, il y a eu la Batucada, il y a eu le concours de gâteaux ouvert à tous, il y a eu la Dance Mob, et puis on peut aussi mettre des petits mots sur l'œuf, comme vous avez pu le voir. Donc c'est vrai que c'est vraiment une journée qui est dédiée aux Sassenageois. L'événement des 10 ans, c'est un événement important. C'est d'abord le théâtre fait partie de la vie culturelle et de la vie sociale de la ville. Et pour nous, c'était important de marquer la renaissance, en tout cas d'abord, du théâtre. Et on a la chance d'avoir effectivement Jean-Louis Trintignant, qui était parrain du théâtre, en tout cas. Il n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il est retenu par un film et un contrat important sur Deauville. Il est malade, hein, mais en tout cas, il est avec nous, hein, puisqu'il m'a confié un mot que j'ai lu tout à l'heure en public. Il est avec nous par la pensée. C'était important, en tout cas, de marquer la renaissance de ce théâtre il y a 10 ans. Donc je vais vous lire, il nous a envoyé un mot très court, mais qui est plein de chaleur, en tout cas, son mot, 10 ans déjà. Tellement désolé de ne pouvoir être parmi vous pour cet anniversaire, car je suis en tournage. Vive Sassenage, vive le théâtre et vive la vie. Et signé Jean-Louis Trintignant. Le théâtre, c'est la vie culturelle de Sassenage. Il était impensable que cette vie associative et cette vie culturelle s'arrêtent. Donc effectivement, ça a été un moment difficile en 2004 quand le théâtre a brûlé, qui avait été construit dans les années 1950 par l'ancien maire. Ce théâtre était connu, il avait une âme parce qu'il était particulier. D'abord, un théâtre en rond avec une scène qui est en contrebas, qui servait à l'époque, quand il a été construit d'ailleurs, de salle des fêtes. Il était mixte salle des fêtes et salle de spectacle. Moi étant jeune, on a fait des balles dans cette salle parce que c'était aussi une salle des fêtes. Et il était important en tout cas que ce théâtre continue et que la culture continue à Sassenage. Encore une fois, la culture, c'est la vie sociale. C'est sans culture, on n'a pas de vie sociale. Donc c'est notre rôle en tout cas de susciter l'éveil de la culture auprès des jeunes. Et ça passe par le théâtre. Thank you.
le gâteau qui est arrivé en première place, c'est Stéphanie Vinciguerra. Bravo, félicitations et bravo. Il a à la fois une activité professionnelle au niveau de l'humour et également il a une activité importante au niveau associatif. Donc l'idée vraiment à Sassenage, c'est de pouvoir continuer à œuvrer pour la culture, pour l'émancipation, pour que de plus en plus de personnes, jeunes et moins jeunes, puissent accéder à la culture. Quoi de plus beau par exemple que les Sassenageois puissent venir à plusieurs générations dans ce bel écrin et rigoler ensemble ou venir assister au spectacle de leurs enfants. Donc c'est vrai que c'est vraiment une magnifique scène et nous souhaitons vraiment que ça puisse perdurer et que de plus en plus de jeunes puissent accéder à ce théâtre de manière facile, on va dire. Je souhaite qu'il continue en tout cas à fonctionner tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. C'est le théâtre, la culture et puis la vie associative, la dynamisation de ce village qui continue à fonctionner tel qu'il est aujourd'hui, autant pour la vie associative que pour la vie professionnelle. Encore une fois, c'est l'éveil de la culture et c'est notre mission d'inciter les jeunes à leur faire connaître cette culture.